Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Astraeos pour l'épisode numéro 6. Dans cet épisode, on a plusieurs choses à faire. Je vais tamer un Bronto, je pense. Faudrait que je tame un Castor ou un Terry, mais je pense qu'on va plus partir sur un Castor, comme ça je pourrais utiliser avec avec l'Argentavis en solo farm. Et on va construire un enclos marin, qui sera un port, un piège, qui fera plein de choses en même temps. Donc ici, tac tac tac, j'ai mis des structures aussi, hop... bien te mettre un mode de structure, je le mettrai en description si ça vous intéresse. Et ça fait des espèces de barreaux de cages lumineux. On va chercher le nom comme ça, on pourra le mettre dans le bassin. On va faire un petit bassin sympa. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va tamer du xynafocti, du xif, la grosse carpe truite avec des grosses dents, le xynofectinus. J'ai vraiment du mal avec ce nom. Donc on fera ça après. Donc là, dans un premier temps, je vais reprendre le giga. Je l'ai pas sur moi, non, je l'ai posé. On va prendre le giga, on n'a pas la selle. On est niveau 92, c'est 96 pour la selle. On va le prendre avec nous quand même. On va essayer de trouver du bronto. Hop, il me faut des tranques. J'en ai un petit peu avec ça. Le reste, ah, quoi que je peux peut-être en refaire là-dedans. Tranques. Hop. Non, il me manque quoi? De la narco. Ok, et là? Ok, donc on va faire hop, ça. Ah oui, on est large. Bon, on va déjà prendre ça. Ça nous en fait 137, c'est pas mal. Argentavis. On va penser de le prendre, ce pauvre petit Argentavis. Là. Tac. Allez, je vais voir s'il y en a un au-dessus. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est donc cette chose? Eh, mais attends, mais c'est le nouveau dino! C'est pas prévu, mais vas-y. Tac. Bon, comment il se tame? Bon, bah ça. C'est rapide. De la viande. Que je peux pull de la viande d'ici? Raw. Raw meat. Que j'ai de la raw prime meat? Non. On va le faire avec ça, on va voir ce que ça vaut. Ah non, attends, ça se tame. Tu sais, ça se tame à la viande celui-là? C'est pas celui qui se nourrit au poisson? Pour ceux qui ont vu la vidéo avec le. Le parc d'attractions, on en avait un dedans. Vu que c'est le même mode. D'ailleurs, j'ai pas fait la présentation, faudrait que je le fasse depuis le temps que je le dis. Moi, je pense qu'il mange plus du poisson. Hein. Spaglass, c'est pas. Et pas sympa. Se moque de nous. On verra. Vas-y, dors. Toi, hop. On va continuer. On va continuer par là et on va aller chercher du bronto. Est-ce qu'il y en a un de dispo? Non, mais y a tout sauf ce que je veux. Lui, ça me comment? À la baie. Ok. Ok. Ah, mais il est que niveau 20. Ok. Ok. Il va se faire graille, lui, non? Allez, Giga, à l'attaque! Croque-les tous! Vas-y! Fais-toi plaise! Oh, mais c'est de pire en pire, les Majung. Et comme d'hab, j'ai oublié d'activer, dommage. Voilà, mon petit Giga, croque-les tous! Au lieu de croquer l'autre, par contre, ça m'arrangerait. Ah, c'est un bon. Ah, bah c'est un diplo! C'est comme un diplo, il fait comme lui, quoi. Je suis y arrivé. Il fait comme le. Ouais, la même capacité que le diplo. Je sais pas s'il forme de la baie en vrai. Vas-y, on va le tamer au pire. Croque-le, toi. Moi, je vais éloigner l'autre. Voilà. Non! Mon zozio! Paul! Mais il est sérieux? Bouffez-le! Bouffez-le! Vite! Ah, vu que j'ai la selle du. Oh! La selle de mon giga, il la faut! Mais graille, toi, graille! Allez! Voilà, parfait! Bon. Stop, arrêtez, me suivez pas. Attention, attention, on va tenter un tam comme ça à la mano. Ok, ouais, ça se tame comme un. On va le capturer, je vais voir s'il farme la baie. Parce qu'en vrai, j'aurai pas besoin d'un bronto, si jamais. Je vais ramasser les petits cadavres là. Hop, voilà, ça donne de la prime. Ah, il est en train de se faire manger. Mais d'où il y a un Rex chez moi, bah. Mais cassez-vous. C'est quoi ces vieux spawns? Bouffe-le. Non, mon truc, j'avais pas pu l'essayer. Vas-y, tue-le. Voilà. Bien. Bien, bien, bien. Là, tu dois avoir masse de viande, par contre, sur toi. Oh, masse de bazar. Il y a du bazar, il y a du bazar. Alors, ça, je récupère, ça, je récupère. Ça, ça, ça. Ça, 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 ça. Tac. 71 niveaux. Ah oui, bah, full dégâts.
Allez, allez mon petit giga. Oh, il va croquer tellement fort. Oh, maintenant c'est Raptor. Non mais, en fait ils font spawn par par groupe. Ah ouais, ça appelle tes potes. Dis qu'il y a du monde ici. Voilà, voilà. Ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut. Quel level le Ptera? 50, t'es nul. Boost. Calme-toi. Calmez-vous. Ah bah, ah. Vas-y, graille. Hop, un coup de dent, là. Voilà, hop, 10 spoon. Elle a 10 spooné, le gars. Bon, c'est bon. Je peux tranquillement tamer ce nouveau dino. Ah bah d'accord, il a toujours pas faim, lui. Et, mais il va se calmer. Il va me, le pousser vers les majungs en bas. Laisse-le. Non, pitié. Comment faire tuer un giga? Mettre en passif, l'autre il le pousse. Dans les majungs le croquent, il n'y a plus de giga. Non mais t'es malade toi, hein. Si je te tame, attention. C'est bon là ou pas? Oui. Allez, une dernière et c'est bon. Faut que je fasse de l'agriculture aussi. Oh là là, j'ai tellement de trucs à faire. Surtout qu'on a le mode archomatique. Ça va être l'occasion de le tester. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment top. Hop, l'archomatique. Faudrait qu'on fasse le crafter, le craft de balles, le crafter de la forge aussi, les terrariums, en fait tout, tout. Ça va nous aider à aller plus vite. Ça crafte plus vite et c'est plus mieux bien. Allez, 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 oui. Oh non, encore une. Attends, il y a un loot, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Megaloceros saddle, ouais, de la narco, on va la récupérer pour la narco. Et les stimulants aussi. Hop, on récupère. Oh, je me fasse un broyeur aussi. Oh là là, mais il a pas sauté dans l'eau. Mais si. Mais c'est un neuneu. Oh, j'espère qu'il n'y a pas un truc qui va le graille. Le Raptosaurus. Ah oui, c'est celui qui fait du rap tôt le matin. C'est le seul moyen mémotechnique que je me suis rappelé pour lui. Le Raptosaurus. Je te donne la baie. Et tu montes dans ma cryo. Et je cherche mon oiseau. Viens là. Bon, ça c'est fait. Castor. Non, on va essayer de lui voir s'il ferme de la baie avant. Bon, à mon avis, ça va être un vieux diplo. Oh, je le sens comme ça, éclaté. Bon, c'est pas grave, on l'aura tamé, au moins on l'aura essayé. Je lui ferai un socle et on le mettra en décoration. D'ailleurs, il y a le Minotaur aussi à mettre en déco. J'ai pas pensé. Et sinon, après, bon, on le mettra sur le taxidermie. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai mis, le mode, je crois pas. Aïe, 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 à Calas. Tellement de choses à changer là-dessus. Il y a ça et les dégâts affichés, faut que je remette. Alors le SCS. Il manque 80 de bois. J'ai plus de bois. Ouais, bon, on va aller faire le castor et ce sera bon. Le Raptosaurus, il me faut la selle. Raptosaurus. On peut même faire sa petite statue et tout, c'est tout mignon. Attends. On dirait une selle de... Ah non, j'ai cru que c'était une selle de marin, mais pas du tout. Oh, mais il coûte tellement cher en métal et en bois. Bon, on reviendra après, on va aller chercher le castor. Hein. Allez, let's go. Le castor dans le Redwood. Le Redwood, il est par là, de mémoire, dans cette zone-là. Donc, bah, on est parti pour un long voyage. Je ne prendrai pas le Ptera. Il est combien celui-là? 50. Je vais prendre le Ptera, je pense. On va aller plus vite. Ouais, si je prends le Ptera et je l'endors bien là-bas, au pire. Ouais, on va faire comme ça. Ce sera plus simple. Parce que je pourrais pas le ramener en argente. Ouais, le souci c'est que je vais attendre là-bas. Bon, on verra sur place comment on fait. Sinon j'y vais en terrain, je reviens en argente. Ouais. On peut faire ça aussi. Ah, si c'est un castor ça ou c'est de la loutre? Non, c'est peut-être gros. Hein. Ah, bah, d'accord, il n'y a même pas de nom. Et ce Pokémon? On va se poser sur le rivage là. Rana. Ah non, c'est un castor là-bas. 85. Ah ouais, bah d'accord, il me donne le nom maintenant une fois que je suis dans l'eau. Oh, je vais pas mourir. Attaque. Mange-les tous. Ah, c'est pénible quand ils ont pas de sel. Y'a qu'un castor dans l'eau là. On est loin que ça. Aïe, le. Mais il mange. D'accord. Réagis si tu veux, hein. Oh, comme tu veux. Non, t'as pas envie. Il est pété mon truc ou quoi là? Mais arrêtez! Ah voilà! Ah, il est malin, il attendait qu'ils arrivent là et bam! Ah bah il y a un 135 là-bas. Attends, mais il y en a plein de castors en fait. Il y en a un là-bas.
85. Bon, tu n'as pas l'air d'avoir de nid de castor. C'est bizarre ça. Regarde lui, il m'a vu, il me chasse. Ok, 135. Il y a quoi là-bas? Il y en a encore un là-bas. Oh, mais oui, il y en a plein là en fait. Ouh, 145, go. Ouais, on va faire 145. Attends, il y en a encore un là. Oh, mais il y a combien? Par contre, il n'y a pas un nid. On va mettre des nids quand même. Et où mon giga me suit? Il s'en fout. Eh oh! Alors, faut que j'arrive à le sortir de là. Comment je vais faire? Comment je vais faire? 145, il est au fond là-bas. Tac, faut que j'arrive à le sortir. Oh bah si, là-bas il y a une sortie. On va essayer de l'attirer par là-bas. Plus... Oh bah il y va. Il y va tout seul, comme un grand. Bon, j'aurais bien crié mon giga avant. Ah, c'est bon, casse-toi, casse-toi. C'est pas drôle. Aïe. Aïe. Merci pour la course. Alors, il est où l'autre? En train de faire le tour du lac. Ce que je vais faire, ouais, c'est que je vais le cryo. Papapapapam. Qu'est-ce comment qu'on fait? Arrête-toi là. Je vais le cryo, je vais essayer de l'attirer et on va le tamer sur place, je pense. Ouais, si tu veux. Ça va? Tranquille? Prends la douche? Ouais, on va le cryo parce que. On va le tamer ici parce qu'après il va taper mon argent tout le chemin. Et, vu que c'est un gros niveau, est-ce que lui fera un petit peu beaucoup mal? Attends, c'est pas lui le 145 là-bas? Non, il est où? C'est lui là? Oui. Tac. Encore des piranhas! Un simgraille. Ah, niveau 1! Il se fout de moi lui! C'est pas lui que je veux! Non, 145. Pourquoi il est marqué niveau 1? Qui ment là-dedans? D'accord, lui je le tiens 2 secondes, c'est fini quoi. Niveau 1. Mm-hmm. Bon, je vous fais confiance, hein, 145, la Spyglass. C'est vraiment un niveau 1. C'est pas cool. Vas-y, on va essayer de tamer là. T'as combien de 3400? Oh, 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 il est en train de me détruire mon stuff! Dors! A l'aide! A l'aide, il va me tuer! Quel malade! T'es un grand malade, toi! C'est pas un niveau 1. Un niveau 1, fais pas ça. Hein. Je lui fais confiance. Ouh, ouh, la flèche est passée à côté. Ouah, 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 ouah. Elle joue avec ma vie, là. Je joue avec ma vie, je joue avec ma vie. Il arrive. Non! Non! Ouah, 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 ouah. Attendez, attendez, pousse. Pousse, c'est là, je prends un coup dedans, je décède. C'est bon, il est calmé. Merci, jeu. Tac, tir de sniper. Quoi? Oh, vas-y, j'ai attaqué toutes les mouches, là. Mais cassez-vous. Hop, 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 hop. Voilà. Laissez-moi tranquille. Ah non, je meurs pas là. Hein. Et l'autre? Il s'est barré. Non, j'y crois pas. Non. Non, 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 il ne dort pas. Eh ben, plus qu'à le retrouver. Eh, mais je suis en train de dead. Vite. Vite, de la baie. De la baie, de la baie. Allez, mange. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut vite que je me fasse un sleeping bag. Ok, je peux. Ok. Ok, on est passé pas loin du tout de la mort. Mais vraiment pas du tout. Hein. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Hop. Voilà, mange la bonne baie. Miam, miam. La vie, elle remonte. Hein. On est bien. Hein. Hop, si je dead, au moins, je suis dans le coin. Et faut que je retrouve ce saleté de castor. Il y a un 145, mais c'est pas celui-là, au pire, genre Thomas. Hein. Tant pis, hein, je sais pas où il est. Oh, 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 bouffez le barrio avant, par contre. S'il vous plaît. Non, c'est lequel? C'est celui-là qui est là. Ah, j'ai pas réussi à le choper, il va se faire bouffer. Non, c'est le dernier survivant. C'est bon. Waouh, il pisse le sang, le truc. Au moins, celui-là est bien 145. Tout, 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 tout. C'est où je pourrais me mettre?
pour avoir un avantage sur lui. Au pire, là, entre les collines. Ouais, si, on va le lâcher là et tant qu'il fasse le tour, le sniper du dessus. Avec mon tir parfait. Tac. Hey, je suis pas un sniper, là. Ah, t'es pas content, hein. Non, pas dans la roche. Ne tombe pas, K. Ne tombe pas. Bam. Quand je veux. Hein, je les mets, les balles. Tac. Allez. Il est où? Tac, il dort. Sale tête bête, va. Hop. Les baies, c'est bon. On va lui donner. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher à boire, vite fait. Faut que je maintienne endormi, j'ai pas de narco. Ah si, j'en ai un petit peu. Je vais filer de la baie comme ça. Au pire, je vais farmer de la baie. Je lui filerai directement de la berry. Tac, voilà. Prends un petit peu de ça. Et moi, je vais me chercher à boire. Et je suis pieds nus, quoi. Bon, il est déjà à 27. Bah, parfait. Il a déjà mangé 3 baies. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui remettre toute la narcotique que j'ai. Je vais refermer de la baie à la main. De la narcoberry. Pour le maintenir endormi. Ou non, tape pas lui. On a failli mourir. On a failli décéder. Ouais, comme ça, on va essayer de le maintenir endormi le plus longtemps possible. Et bah, attends, après, je vais attendre. Il y a que ça à faire, de toute façon. Je vais pas farm ni rien parce que, bah... Ah non, je rentrerai en argent. Oh, en Terra, ça ira plus vite. Hein. Ça ira plus vite. Mettez des Maywings sur la map, en vrai, ça serait tellement bien. Hop, voilà. Non, cassez-vous les compis, hein. Ne tuez pas. Dégage. J'arrive même pas à le taper, le truc. Allez. Mais il me tape aussi. Dégage, j'envoie mon giga, hein. Voilà. Ça, c'est fait. La narco. Bon appétit. Vas-y, on va le charger. Il va dormir longtemps. Hop, un petit peu de baie. Voilà. On est bientôt à la moitié. Oh, il restait 5 PV. J'ai pas vu. On a failli le tuer. On a failli zigouiller le truc. Je vais mettre sur la hauteur. Au pire, je vais FK. Donc ça se fasse. Alors, il y a le moindre dino qui lui éternit dessus, il est mort, quoi. Attends, il y a un truc. Non, il est en train de manger, j'ai eu peur. Je crois qu'il y avait un dino dans son ventre. Ou dans sa tête, non, dans sa tête, comme il est mis. Bon. Ça, il va dormir. Dors. Là, je vais remettre celle-là. Hop. Ouais, je lui mets tout, hop, on s'en fout. On va prendre le risque. Et je me casse de là avant qu'il y ait un dino qui vienne nous charger. Et ben voilà, il est fait. En plus, il pleut. Tout va bien, c'est parfait, dans le monde parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, on va farmer du bois. Ou alors, je le farme en route. Ouais, je vais le farmer en route. Ah, mais attends, mais il a plein de niveaux à passer sur lui, je viens de capter. Hop. Et on monte. Allez. Ah ouais, je me fous le... Ah, peut-être un peu de stam aussi, des fois ça pêche un peu. Je récupère mon sac de couchage et on va pouvoir rentrer à la maison. Et ouais, je vais farmer de la pierre. On va mettre le solo farm et on va ramasser du bois en chemin. Oh, il y a du cristal rose, tout mignon. Et ouais, comme ça, vu la quantité de bois qu'il y a ici, il y a moins de... Oh, il y a un sabreur. Il y a moyen de se mettre bien en bois. Parce qu'après, vers la base, il n'y a pas trop de bois. Arrête-toi, rose. Ah, t'as pris que 2 niveaux, j'ai tapé pas mal d'arbres. T'abuses, hein. Allez, farm. Ah, tiens, on va passer par là. On va ramasser un petit peu de bois ici. Ah, il manque que je mette des structures ici, que ça pop plus les dinos. Oh, ils sont encore un milliard ici. Tac. Allez, on coupe les arbres. Tout. Ouais, je pense qu'on est pas mal, là, l'argent il est bien... Bah, il a mis de poids, mais il est bien chargé. Je sais pas combien j'ai de bois, mais j'en ai ramassé pas mal. Ok, ils m'ont lâché l'agro. On va se poser derrière, on va checker ça. Ah ouais, faut que j'enlève les forges, j'en ai plus besoin d'autant. Oh, mon petit castor, bouge pas, je te sauve. Pause. Ah oui, pas mal. Mais par contre, il prend pas vite les niveaux, là. C'est quoi ce bazar? Je vais leur mettre en cryo après. On va mettre full dégâts. Donc ça c'est fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais crafter des structures. Je vais faire des murs en pierre de toute façon. Faut que je teste.
Les murs larges. En pierre. Mur large, là. Est-ce que la structure elle prend en charge ou pas? Tac. Faire des tests. Ah! Alors il y a un problème là. Ok. Ah non, c'est nul! Et l'autre. Il y a quoi d'autre en mur? Normalement, il y a celui-là, je crois. J'essaye, on va tester. Hein. Ouais, il n'y a aucune structure qui prend en charge le mur large. Et ben, tant pis, on va faire des murs simples. Ça va être plus long à poser, mais pas grave. S'il faut que je fasse des enclos aussi. Fondation enclos. Je vais le faire en pierre, vu qu'il y a des dégâts aux structures. Je vais le faire en bois, mais j'ai peur qu'il défonce ma muraille. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça. Je vais en faire genre une centaine, déjà. Ah. Ah ouais, parce que j'ai pas assez de poids. Ok. Allez, plus que 3. Ah, je peux en faire encore. Ah, mais je suis chargé de zinzin, là. J'en ai que 57. Hop. Si, viens voir. Je vais faire comme ça. Bouge pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à les crafter sur lui. Fondation. Tac, il m'en faut 40 encore. Ok, on va pouvoir les faire. Et après, on va commencer à poser les murs aussi. Oh, attends, je vais faire des murs. On va déjà poser ça, voir comment ça rend. Bon, il y a trop de monde. Circuler. Allez, graille-moi tout ça, parce que ça ne va pas, là. Mais il y en a même dans le bateau, j'avais pas vu. Allez, vas-y. Ah, il tape, hein. Il tape, mon giga. Hein. Pas le Rex, hein. Bim, bim. Allez, agressif. Chasse. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre là, et on va le rejoindre là-bas. Par contre, faut pas qu'il y ait de gros poissons dans l'eau. Tac, on va faire comme ça. Le skin, on va attendre, on le mettra après. Tac, les murs. Ça pèse une tonne, c'est fonda, c'est abusé. Mon perso, il a pas de poids. Ok. C'est profond, ouais. Mais on n'a pas de Xyphactinus là, donc c'est déjà ça. Arbalète, grappin. Voilà. Faire comme ça pour s'aider au fond. Qu'est-ce qui serait le mieux? Ce serait de prendre là, hein, sur le rebord. Comme ça en diagonale. On a une partie aquatique si on a des gros marins à mettre au fond. Ah mais si, mais je peux faire comme ça. Ah voilà, ce sera plus joli. Tac, là ça va jusqu'au-dessus. Ici. Et on pourrait même faire des économies si j'en mets un sur deux par exemple. Oh non, on va faire un truc propre quand même. Hop. Tac et tac. Voilà, comme ça après c'est tout en mur. Oh là là, hé. C'est magnifique. C'est une cage laser s'il s'approche. Pfiou. Piou piou piou. Ça va être beau, mais ça fait mal aux yeux. Ouais, c'est pas grave. Tac tac tac. Ouais, bah on a du boulot. Hein. Faut tout recouvrir le fond là. Ça va être sympa. Bon, bah ça va, je suis au-dessus. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une porte ici, je pense. J'avais commencé à build, mais ouais. En plus, je viens de voir, je suis pas du tout en face. Faut que je tourne ici, tac. Et là, je puisse mettre mon bateau. Et je vais mettre une porte aussi. Une dinoporte ou une behemoth? Oh, peut-être une behemoth direct. Comme ça, je pourrais peut-être même rentrer le bateau dedans. Ah ouais, on va la faire tout de suite, on va voir si ça va suffire ou pas. Behemoth, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Tac, parfait. Parfait, parfait. Ça, on va la tester. Comme ça, je vais faire rentrer les poissons là-dedans, directement. Alors, on va la mettre où? Donc là, faut que le bateau il tienne ici. On va vraiment la mettre au bord du mur là. Tac. On va faire un truc. Ce serait bien. L'idéal serait de l'incliner un peu dans ce sens là pour la tourner. Oh non, on va la mettre là. Par là. Tac. C'est fait. Elle dépasse. Oh, elle dépasse de beaucoup, ouais. Bah nickel. Comme ça, je refais le mur. Oh, ça me fait économiser un peu de structure. C'est cool.
Tac, 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 tac. Allez. Hop, on pick up. Ouais, ça va faire un petit enclos sympa déjà. Pour en mettre quelques tuzo, quelques moza. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé la porte. Hop, on va aller voir pourquoi. Tac, elle est décalée par rapport à tout à l'heure. C'est parce qu'en fait, je me suis rattrapé sur le mur. Parce que j'essayais de commencer à bulle là, c'était trop galère. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris là. Tac, et j'ai mis ma porte là, tout simplement. Le bateau aura un petit peu de place. J'ai essayé de le mettre là-bas, mais le terrain est pas droit, ça fait moche. Du coup, on va finir ici. Ah, non, 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 non. Non, 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 non. Pas comme ça. Faut que tu te mettes comme ça, voilà. Tac. Puis après, on va remonter le mur là. Tac, tac, tac. Ah, t'as pas pu continuer, c'était bien. C'était bien parti. Ouais, le bateau, je crois que je ferai un autre accès. Hein. Au pire, on fera un escalier de là. Je vais le mettre là en attendant. Oula, 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 pauvre petit bateau. Je ferai un accès, ou même sur le côté, là-bas. Ouais, on verra, on fera un escalier pour aller dans l'eau. Hop, pour l'instant, on va le laisser à l'extérieur de l'enclos. Comme ça, je peux fermer tranquille. Il me restera donc les murs à faire et à mettre le skin, et on sera bon. Il pourrait passer, mais ça va être trop pénible de le faire passer à chaque fois dans les portes. Même là, je peux faire un accès ici, paf, dans l'eau, et faire un petit ponton. C'est pas très profond, donc ça se build assez vite, c'est cool. C'est agréable. Donc ça, c'est fait. Là, ah non, mince, c'est pas droit le mur. Bon, je refais tout ça. Hop, et on se retrouve, je pense, une fois que c'est fini, ou à moins qu'il se passe un truc entre-temps. Alors, il va nous manquer une dizaine de murs, je pense, on va en faire une vingtaine pour être large. Hop, je peux en faire combien? 20. Ah, que 8 à l'aide. Plus structure. Non, pourquoi? Ok, j'avais pas de place. 13, on va déjà essayer avec ça. Tac. Ouais, je pense qu'on est bon. J'ai commencé à mettre un peu de grillage, de skin dessus, ça fait un espèce de grillage lumineux, c'est super joli. J'ai hâte de voir la nuit comment ça rentre. Parce que j'avais vu que la petite partie là-bas de nuit, mais tout le bassin, ça va être sympa. C'est bon. Tac, tac, tac. On n'est pas trop mal. Stop. Ce que j'ai fait aussi, pour que ce soit à peu près droit, mais vite fait, j'ai mis des fences, mais pas des fences, des carters. J'essaierai de mettre de la SR, parce que je crois que la SR se combine l'un dans l'autre. Là, je peux pas mettre, par exemple, hop, le mur, je peux pas en mettre que la moitié. Mais il me semble que la SR peut, donc je ferai un truc droit. Mais là, pour aujourd'hui, ça ira très bien comme ça. Hop, on a itamé nos Xyphactinus, ce serait pas mal. Voilà, comme ça, on va pouvoir tout... fermé ici, paf. Ah, il manque la behemoth aussi. Hop. Comment l'aile? Ouh, j'ai hâte de voir la porte en vrai. Je suis curieux de voir comment elle rend. Alors, la behemoth. Hop, la porte. Et ça sera bon. L'arbalète. On va repasser là. Tac, tac, tac. Ça oust. Ça. On va chercher du Xyphactinus. Lui me fume à chaque fois. Et hop, debout, on n'a pas le temps. la porte fait un peu bizarre par contre. Ça fait trop futuriste. Je sais pas. Bon, on va laisser comme ça, on verra par la suite. Tant que le bassin est opérationnel, ça me va. Hop, et le cosmétique. Ah ouais. Ah ouais, la porte, je kiffe. J'aurais dû faire qu'une des behemoths. En vrai, ça a pu être stylé, ça a pu faire vraiment enclos. Ouais, j'aurais fait tout en behemoth. Bon, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Eh ben, on est bon. Je vais pouvoir poser ça dans le dino. On va essayer de faire rentrer des Xyphactinus. On y a quoi, un 90. 135. C'est tamé un dauphin, déjà. Est-ce que je peux pull d'ici Myth, prime myth. Oui. Tac. Et viens là, toi. On va l'attirer au dauphin. À mon avis, il y a des chances qu'il meure le dauphin. Ah, 540 en plus. Viens là! Je me noie! Non! Tac, ok, first. Il est vraiment beau ce bassin. Magnifique. Ouais, j'essaierai de faire un truc plus propre là au-dessus. Mais bon, tant qu'il se ferme et qu'il protège les dinos marins qu'on a, c'est parfait. Pam, pam, pam. On va des cryos.
J'aurais dû le décrire encore plus loin. Tac. Regarde de pas me faire choper. On l'a eu, on l'a eu. Fuis. Oh la vitesse que ça nage. Ouais, 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 respire, respire. Il arrive. Il a trouvé l'entrée. Pas sûr. Non, pas viens là. Oh, vas-y, je me noie. Parfait. Tout se passe comme j'avais prévu. La noyade. Oh, non, 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 non. Passif, passif. Je n'ai rien. Je n'ai pas mal. C'est dans la tête. Tout va bien. Laisse-moi sortir. Tu veux pas l'endormir? Ah! Sauf qui peut, le dauphin! Putain, j'ai les grosses flèches, là. Mon stuff est invincible! Ah non, il m'a mis dans l'eau! Oh! Bon, vas-y, on n'a rien vu, hein. Mais il m'emmène au fond de l'eau! Animal! Ah, il m'a mis tellement en tarif! Ok. L'animal est dans le bassin, je répète, l'animal est dans le bassin. C'est que je vais fermer la porte là-bas, pas qu'il se barre, et on va l'endormir avec la flèche. Soit l'arbalète, soit si on arrive à le viser avec le fusil, ce serait pas mal. Ah, l'entrée est pas ouf de ce côté-là, mais bon, tant pis. Bon, où est la bête? Coincée là-bas. On va la tirer au bord. Ils ont de la place là. Vite. Où est la carpe? Bon, est-ce qu'on a un visu sur elle? Pas du tout. Elle est juste là. Je mets un tracker. Voilà. Tac, tac. Et on vise. Pas de bouger. Ok, loupé. Et quoi, sûrement la pierre devant. Ouais. Compliqué, hein. Non, c'est bon, on touche. On est trop des PGM. Oh, 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 une chasse. Cabane. Cabane. Ouais, reste là. Alors là, là, ce sera un petit bébou bien mignon. Si tu restes là comme ça. Allez. Le poisson. Et... dans la nasse. De toute façon, tu peux pas sortir de là, mec. À moins que t'arrives à sauter par-dessus le bassin. Mais impossible. Impossible que tu puisses s'enfuir. Tu vas où? Allez, dors. Oh. Bla bla bla. Voilà. Et de 1. De la baleine, là. Baleine astrale. Oula. Est-ce qu'elle nous défonce? C'est la question. Une baleine. Ouh, attends. C'est gentil, hein. Ça a l'air d'être gentil. Ah, poussez-vous. Ah, il y a l'archelon, sinon. 45. Ouais, l'archelon, on la fera la prochaine fois, c'est pas grave. Combien ça a de vie, ça? D'accord, elle a pas de vie. Il y a 3000. Oh, 145. Arrêtez de bouger, j'ai même pas le temps de voir ce que c'est. Oh, 145, 150... Oh, vas-y, ils rentrent tout dans le bassin, ça. Attends, 145 mâles. Ils vont trop vite. Ah non, ça va pas ouf, la femelle, mais... c'est pas grave. Il y a un couple, là. Eh oh! Les moches! Les moches! Oh, ça va tellement vite! Venez dans mon bassin! Attends, je vais essayer de le rendre. Ah! Je vais lui filer de la viande à lui. Mais arrête de mourir, toi! Ils approchent, ils ont trouvé l'entrée. J'attends qu'il se finisse de stam, celui-là.
C'est pas de la prime qui me donne? Oh là là. Va manger ce que tu veux, mon petit poisson. On va attendre. Yes! C'est parti. Alors, il a quoi comme stat? 41 en vie, 54 en dégâts. Ah oui, on a une belle petite carpe vénère, là. Allez, hop, viens là. Ensuite, les deux autres. On va essayer de faire des stats potables dessus pour faire la grotte. Je pense que le prochain épisode, on fera la grotte avec machin, là. du xylophone. Et venez! Venez, 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 venez! Elle a bouffé mon truc! Merci de te sacrifier. La bonne journée à vous. Merci d'avoir patienté. Le parc a fermé ses portes. Allez. Oh, quand même la graille, mon truc. Oh, c'est un véritable massacre. Non. Vilaine carpe. Vilaine carpe. Oh, oh là là. Oh, cette traînée de sang, mon gars. Oh, oh, j'étais pas prêt. Il est où? Il est où, le poisson? Vas-y, j'essaie de le ping. Il peut pas ping, il le voit pas. Oh, c'est pas possible. Oh! Mais non! Oui, merci sur la plage. Bienvenue sur la plage. Vas-y, tu sais pas nager. Tu sais pas nager. T'es un gros bob. Non! 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 C'est un véritable carnage. Nous participons à un véritable carnage. Je nage plus vite que la lumière. C'est la Team Rocket. Oh! Ok. Ah, bah évidemment, ça campe le corps en plus. Veuillez patienter. Ouais, non, mais cassez-vous, par contre, vous avez bouffé mon dauphin là. À moins des choses que vous partiez de mon stuff maintenant. Venez, 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 petit, petit, petit. Pousse-moi au fond de l'eau. Voilà, part très loin. Non, bah, plus loin. Oh, comment c'est vénère ces bestioles. Non! Vous étiez plus loin! Mais. Ah, mais ils sont revenus! Oh, ça va être une galère! Ça va être une galère! Lâche-moi, toi! Emmène-moi au milieu du bassin, là! Oui, plus loin, là-bas! Ah, il me glitch! Il me glitch! Il me glitch! Ça va être comique de récupérer mon stuff! Bon, ils sont partis un peu plus loin. Combien de temps? Je ne sais pas. Donc là, il y a dauphin, là, il y a une mort. Je suis mort par là, hein. Là. Yes. Je vous ai bien eu. Mouahaha. On va ping le plus haut level. 45, parfait. Allez, viens. Sois énervé. Non, pas du tout. On s'en fout. Bon. Pêchons avec notre fusil. Tac, touché. Oula, calme-toi, toi. Il y a du mouvement dans le bassin. Eh bien, ils bougent pas par moment, je sais pas pourquoi. Ils prennent une flèche, ils attendent. Hop, lui il dort, c'est bon, le deuxième. Lui il est par là, faut que je fasse gaffe de pas tirer par là. Alors, reste au fond à gocoliser. Fais des tours de bassin. Allez, une flèche et il dort. Voilà, hop, et ciao. Ciao, ça dort. Alors, quoi? Oh, on peut même pas s'agripper après, il dorme. Il veut rien faire. Il va se faire quasi instant, je pense, parce que depuis le temps qu'il est endormi. Et toi. Tac, voilà. Ah, l'idéal, c'est du mouton ou de la kibble supérieure. Ah ouais, ça se fait en one shot. Et hop, ça c'est fait. Il est à nous. 32-42. Ben. Moins bien celui-là. Hop, toi, cryo. Tu es en cryo. Tac. Envoyer, c'est pesé, le poisson est dans la cryo. Du coup, on va faire une petite repro. Faire des petits bébés.
Essayer d'avoir des bonnes stats et faire de la repro. Ça pourrait être pas mal. Hop, voilà. On va tout mettre là-dedans. Comme ça, ça va incuber. Le fil ou là. On va pouvoir se quitter ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très prochainement pour la suite. Salut !